C'est pour nous un honneur tout à fait redoutable que d'ouvrir la première table ronde. Avant d'entamer les débats, je voudrais juste brièvement rappeler pourquoi nous faisons cette proposition. C'est une des trois propositions stratégiques. En fait, dans le cadre de mes recherches doctorales, il y avait un état des lieux. Cet état des lieux montre une situation tout à fait contrastée, complètement hétérogène, fonctionnant de manière chaotique, que ce soit dans les investigations financières au niveau européen, que ce soit dans l'environnement criminogène qui impacte les investigations financières. Donc quand on a une espèce de puzzle en trois dimensions qui n'arrête pas de bouger et d'évoluer, la première tentation, évidemment, c'est de mettre le terrain de jeu à plat. Et la meilleure façon de faire, ça reste encore les investigations financières, parce que elles transcendent les frontières, elles n'ont rien à voir avec tel ou tel système de droit, ce sont simplement les mêmes techniques, et donc ça permet à tout le monde de parler de la même chose. Donc c'était une solution qui était déjà dans l'air. Quand on a fait un petit point, un petit tour de table, on s'est rendu compte aussi que les investigations financières étaient bien plus loin que le simple but de la confiscation. Et puis surtout, que ce sont des techniques qu'il faut les apprendre. Vous en avez fait vous-même l'expérience pendant 15 jours, et tous vos prédécesseurs également. Donc, je pense que la solution s'imposait d'elle-même, c'est-à-dire, nous avons le CEFAC, qui est une formation courte, mais il serait tout à fait utile, et c'est ça que nous allons soumettre aujourd'hui en table ronde, de prévoir l'intégralité d'une filière qui puisse pousser effectivement les connaissances techniques le plus loin possible. Mais pour que ça marche, eh bien, nous avons fait un changement paradigmatique. Oui. Nous avons renversé la pyramide. Plutôt que d'aller chercher des experts, nous sommes allés chercher les sachants, c'est-à-dire vous tous, tous ceux qui êtes sur le terrain, qui avaient l'expérience. Et donc c'est le CEFAC et la filière que nous proposons aujourd'hui sont faits pour, par et avec des praticiens. Donc ça, c'est le débat du jour. C'est entre autres, notamment grâce à M. Stork qui est à mes côtés, comment est-ce qu'on peut monter ce genre de filière? Quelles sont les difficultés? Est-ce que l'Université de Strasbourg est porteuse de ce genre de projet? Y a-t-il des problématiques politiques? Et pour le contre-exemple, bien nous allons voir Lisa, ici, qui a déjà monté quelque chose qui est tout à fait intéressant, que je vous présenterai ensuite, c'est le projet Intrépide. Voilà. Je passe la parole à M. Stork, peut-être, pour les premières questions. Je vous remercie. Je vais plutôt poser des questions que annoncer des affirmations. Lorsque Chantal m'a parlé de ce projet, nous sont venus en tête un certain nombre d'expériences que nous avons menées à l'Université de Strasbourg. Et je pense que dans cet ensemble d'éléments, il faudrait que vous m'indiquiez quels sont vos souhaits principaux. Alors, j'ai entendu tout à l'heure la présentation qu'on a faite Chantal, et notamment l'implication de professionnels dans les formations universitaires, ce qui était fait à Lausanne, est à mon avis la voie dans laquelle il faut absolument s'engager, c'est l'implication de professionnels dans des formations universitaires, et réciproquement. Alors pour mener ces formations, nous avons le choix entre un certain nombre de structures de diplômes, et il faut trouver le bon arrivage. Alors, souvent, et ça fait partie de vos propositions, on se dit que la formation la plus élitiste et la plus reconnue, ce serait un doctorat. Personnellement, je ne vous inciterai pas à vous engager de plein pied dans un projet doctoral. Nous venons d'avoir, en avril 2016, un nouveau décret sur les formations doctorales en France. Et pour être très bref, je dirais que cela devient maintenant une formation très réglementée, très encadrée, qui laisse peu de place aux professionnels. Il faut suivre des formations, il faut justifier de ces formations, il y a des conventions avec le directeur de thèse, il y a une présence obligatoire à l'université, il faut justifier des financements. C'est lourd, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Certains peuvent y arriver, mais il n'est pas nécessaire d'avoir un projet véritablement développé au sein du CEFAC pour ces formations doctorales. Un soutien à ceux d'entre vous qui voudraient poursuivre par une thèse, oui, mais d'emblée dire la formation doctorale c'est un objectif, je ne crois pas.
on pourra en discuter si vous avez des questions sur ce point. En dessous de la formation doctorale, vous avez les masters. Alors, nous travaillons en ce moment sur les maquettes des masters, puisque nous fonctionnons à l'université par plan quinquennaux. Donc, ce sont des plans de 5 ans, et le plan pour la formation à partir du 1er janvier 2018 est négocié actuellement. Avant la fin d'automne, il faudra que nous déposions nos plaquettes de master qui seront ouvertes au 1er janvier 2018. Il y aurait possibilité d'ouvrir une spécialité sur les investigations financières adaptées au monde professionnel. C'est possible. Mais il ne faut pas être réactif, c'est-à-dire que c'est un chantier qui est ouvert maintenant. Alors, la formation de master 2 pour des professionnels est, à mon avis, elle aussi, une formation inappropriée, parce qu'il y a une présence, il y a des contraintes administratives, il y a des contraintes de contenu de cours, des modalités d'examen à remplir, sachant que vous êtes disséminé au sein de l'Europe, ce sont des contraintes qui sont trop lourdes, ce n'est pas raisonnable. Nous avons l'expérience sur des questions similaires qui se rattache à la finance islamique. Nous avons développé, c'est une niche sur laquelle nous sommes engagés, c'est de travailler sur la finance islamique pour voir quels sont à la fois les aspects juridiques et les aspects financiers. Et cela d'ailleurs vous intéresse à un certain niveau dans vos investigations. Alors, pour la finance islamique, après 10 ans de recul sur la mise en place de ces formations, le système que nous avons mis en place, à mon avis, est un système qui pourrait vous inspirer. Nous avons développé en premier lieu un DU. On a appelé le MBA parce que le MBA, ça sonne mieux que le DU. Donc c'est un MBA de finance islamique réservé à des professionnels qui sont en formation continue. Donc ce ne sont pas les étudiants primo-entrants. 3 jours par mois sur 12 mois. Ils viennent du monde entier, nous avons des professionnels qui viennent de Djibouti, de l'île Maurice, même du Koweït, suivre cette formation. Ils viennent 3 jours chaque mois. Du Tchad, nous avons un contingent de 4 ou 5 participants qui viennent du Tchad, tous les mois ils viennent 3 jours, ce qui est lourd, ça représente un investissement colossal. Ils suivent cette formation de haut niveau où sont impliqués principalement des professionnels. Ils passent les examens. Quand ils ont tenu ce rythme toute l'année, ils sont tellement motivés qu'ils réussissent, on a 100% de réussite à l'examen. Et ils obtiennent cette MBA, qui leur donne une certification de compétence. Et dans leur pays, c'est très important. La certification de compétence est reconnue. Et cette MBA a maintenant une reconnaissance mondiale. Les journaux nous ont dit, pas trop apprécié le parallèle, qu'on était la Mecque de la finance islamique. C'était facile. Et il y a une reconnaissance, une valorisation du diplôme qui est acquise par l'expérience. Mais parallèlement à cette formation, parce que dans cette MBA, ce sont des professionnels qui viennent, qui repartent. Parallèlement à cette formation, nous avons lancé un Master 2 de finance islamique, ouvert à des étudiants primo-entrants, et les deux formations fonctionnent en parallèle. Et dans ce Master 2, viennent des étudiants qui n'ont pas d'expérience professionnelle. Mais nous avons des séminaires communs entre les deux formations qui sont en parallèle. Et là où on va retomber sur nos pieds, c'est que des étudiants qui obtiennent le MBA de finance islamique, qui pour certains, en général, ils ont des diplômes de grandes écoles, ils ont déjà des formations scientifiques, certains avaient même 2 doctorats déjà, qui veulent encore poursuivre des recherches dans ce domaine-là, et s'inscrire en thèse. Avec un EMBA ou un DU, vous ne pouvez pas. Mais avec le système d'équivalence de niveau de formation, lorsqu'ils souhaitent poursuivre pour une thèse, nous leur donnons l'équivalence du Master 2, qui existe. Ils sont dispensés d'un certain nombre d'épreuves, ils viennent passer simplement une soutenance de mémoire à la fin, et ils obtiennent ce Master 2, sans qu'il y ait une année supplémentaire d'études. Donc ils ont le MBA, ils valident le Master 2 par équivalence, et ensuite ils peuvent s'inscrire en thèse. Et nous en avons certains qui ont suivi ce parcours. Ce qui permet de maintenir la recherche fondamentale à haut niveau, d'accueillir des professionnels et de leur permettre de poursuivre ensuite par un doctorat. C'est un système qui a l'avantage de la souplesse, car ce qui est impératif, me semble-t-il, pour vous, c'est la souplesse dans l'organisation du diplôme.
Alors, je vais peut-être décevoir Chantal, mais ce que je préconiserais, moi, c'est plutôt d'avoir comme structure porteuse un DU ou un IA ou une autre appellation pour laquelle il y a toute liberté d'organisation. La simple contrainte de l'université, c'est d'autofinancer la formation. Autofinancer, c'est que les heures, il y a des frais à payer pour suivre cette formation qui doivent permettre de payer les heures d'enseignement qui sont assurées. Mais, puisque nous organisons des enseignements qui sont mutualisés entre le MBA DU et le Master 2, quand c'est le cas, les heures d'enseignement sont payées par le Master 2. C'est la petite organisation locale. Donc ça nous permet de reporter le coût de ces intervenants de l'ENIE sur celui du Master 2. Au total, le coût d'un DU n'est pas énorme. Et avec le DU, vous avez toute liberté sur le nombre d'heures, sur les thématiques, bien sûr, les cours, les périodicités, le calendrier. Un DU vous permettrait alors vraiment de répondre à la demande des participants et de vous adapter à cet auditoire. Mais pour ne pas rester au niveau DU, il est possible d'adosser dans le parcours des Master 2 une spécialité ou un parcours sur des investigations financières et de jouer sur les deux tableaux. Car je doute que vous, professionnels qui êtes au sein de l'Europe, vous ayez le temps de venir chaque semaine à Strasbourg, suivre des séminaires, faire des exposés et passer des examens. Je ne pense pas que ce soit vraiment le cas. Alors, en ce qui concerne le DU, nous l'avons déjà. Nous avons créé un diplôme d'université, mais qui ne peut pas, à mon avis, correspondre à un N1 qui permettrait un N2, enfin, qui permettrait d'aller de suivre la voie doctorale. Je pense qu'on n'a peut-être pas commencé par le bon intervenant. Je crois qu'il faut partir du constat que les investigations financières, ça va devenir l'alpha et l'oméga, non seulement en matière répressive, mais également en matière préventive. Je pense au commissaire Olivier, je pense à tous ces investigateurs dans le cadre de la lutte anticorruption. Ce sont les mêmes enquêtes, qu'elles soient menées, je veux dire, c'est la même technique. Donc il y a vraiment là une voie à ouvrir, qui se rattache au droit des affaires, hein, parce qu'on est quand même, justement, je discutais dans le cadre de la modification de la maquette. Et comment fait-on pour, nous, à l'université, prendre en compte ce changement radical, qui est d'un besoin de personnes formées dans la transdisciplinarité, parce que je dis droit des affaires, en fait, ça va chercher beaucoup d'autres matières, peut-être que tu pourras tout à l'heure en parler lorsque vous aborderez la table ronde sur l'analyse financière criminelle. Mais comment fait-on-nous université pour prendre en compte cette nouvelle rationalité? En fait, c'est ça. Donc, sur les modalités, nous avons déjà le master de investigation financière. Nous n'avons pas réussi à l'ouvrir. C'était dans le cadre d'un partenariat qui avait été conduit avec la gendarmerie nationale. Et au moment où il a été homologué, hein, ce master existe au sein de l'Université de Strasbourg. On a demandé à la gendarmerie nationale de faire des économies. Malheureusement, elle a fait des économies dans ce champ-là. Elle aurait pu faire d'autres choix. Bon, elle a fait ce choix-là. Ça fait que le master n'a pas été ouvert. Et il a fonctionné pendant un certain nombre d'années avec des personnes qui venaient une semaine par mois. C'est pas toutes les semaines, je veux dire, on peut s'adapter, puisqu'on l'a fait déjà. Donc là, l'idée maintenant, c'est de faire la même chose, mais avec une reconnaissance à l'échelle de l'Union européenne. Merci beaucoup, Chantal. Merci. Juste une petite précision, Chantal m'avait également interrogé sur ce point-là. Elle m'avait demandé si la piste Erasmus Mundus était une piste à explorer. Bon, nous avons monté un master Erasmus Mundus il y a 7 ans, avec 3
trois universités partenaires en Europe. C'est une structure très intéressante, mais très très lourde au niveau de la présentation du dossier, du pilotage et de l'encadrement. L'université de Strasbourg, nous étions les premiers à en avoir eu un à Strasbourg. Je crois qu'au total, à l'université de Strasbourg, nous avons depuis 10 ans eu 3 Erasmus Mundus, ce qui est très peu et ce qui est très symbolique. Donc, je crois que c'est une piste qui est à réserver pour le futur, mais dans l'immédiat, ce n'est pas raisonnable d'y compter, de s'engager. Ce qui est plus important, c'est d'avoir un diplôme qui est valorisé par les milieux professionnels et reconnu au niveau européen. Et quelle que soit l'appellation de ce diplôme, ça peut ne pas être appelé un Master 2. Ça peut être un Master 2, mais ça peut ne pas être appelé un Master 2, et qui néanmoins sera reconnu au niveau international. J'aurais souhaité, s'il vous plaît, rebondir sur ce que venait de dire Chantal Pédéjar. Non seulement l'investigation financière sert à plus à devenir un frais moderne, parce que 70% des crimes sont des crimes à but lucratif, et que donc ne pas quitter la balle des yeux, c'est quand même beaucoup plus facile pour éventuellement perturber les criminels, mais c'est appelé à devenir une discipline à part entière, une nouvelle discipline dans les sciences criminelles. C'est quelque chose qui est appelé à prendre la même importance que la médecine légale pour les crimes de sang. Donc, lorsqu'on voit le nombre de spécialités qu'il convient au minimum de connaître un tout petit peu, d'y être sensibilisé, si on veut bien, pour pouvoir réellement, lorsqu'on est enquêteur, investigateur financier, tirer le meilleur de tous les spécialistes qu'on va avoir autour de soi, bien, il y en a un petit peu plus d'une bonne demi-douzaine qui relève de sciences dures, mais ça va jusqu'aux sciences de psychologie de profilage. Tout ça peut avoir une incidence en investigation financière, et il est donc important de voir la transversalité, parce que pour l'instant, nous n'avons ni criminologie comparative, ni fil rouge entre des sciences criminelles qui sont en pilier. Et ça peut vraiment faire bouger les choses. Donc, vous avez des exemples à l'université de ce type de formation? Formation transversale, oui, tout à fait. Bon, je citais modestement le cas de la finance islamique, c'est moitié droit, moitié finance. Et c'est la première fois que des juristes travaillaient avec des financiers sur un diplôme. Donc c'est tout à fait possible. Et c'est là aussi qu'on se démarque par rapport aux autres universités, c'est qu'il y a des cloisonnements dans les disciplines qui sont désastreux pour l'université. Et dès que vous mettez en symbiose deux disciplines parallèles, que vous parvenez à les faire travailler ensemble, le gain est immédiat et prodigieux, et vous vous démarquez de tous les jours. Donc oui, cela est soutenu. L'interdisciplinarité, oui, les diplômes qui sont en commun, oui, tout à fait, il n'y a aucun problème. Alors, je voudrais également rebondir sur une remarque que vous avez faite un peu plus tôt. Le cluster doctoral n'est que la finalité, d'accord? Bon, c'est sur l'exemple de Simon Méchard, par exemple, ici, qui vous en parlera plus tard sur le tableau rond 2. En fait, on s'aperçoit bien que, quand on a vu les précédents auditeurs du CEFAC, on s'est rendu compte qu'il y a une énorme demande pour réfléchir, conceptualiser, structurer ce qu'ils ont tiré de leur propre expérience. Donc ça se fait quand même à un certain niveau. Une fois les techniques apprises, une fois l'esprit analytique bien intégré et que l'on a commencé à travailler avec ça, alors on est capable de rapporter. Alors pourquoi c'est un projet qui me tient à cœur? Parce que tout en ce moment est transféré par l'expérience de terrain. Les experts supranouvellementaux parlent de choses qu'ils ne connaissent pas aussi bien que vous en salle. D'accord? Que vous soyez des services répressifs, que vous soyez des services de poursuite ou que vous soyez des services judiciaires, vous avez un fond de compétences et de connaissances qui est absolument fondamental. Et comme ça n'est pas structuré, chaque fois que l'un d'entre vous disparaît du paysage professionnel, eh bien c'est tout un pan entier, une sorte de civilisation expérimentale, si on veut dire, qui disparaît avec vous. Et c'est ça qui est important, c'est une mission, ça n'est pas tellement un diplôme ou un diplôme élitiste, si on vient, je rebondis un petit peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure, ça n'est pas ça, c'est que
c'est qu'il faut absolument que nous agissions maintenant au vu des problèmes de sécurité que nous avons et qui ne vont faire que s'accentuer. Il n'est pas interdit par le code pénal de prendre toutes nos intelligences individuelles, de les rassembler pour en faire une intelligence collective. Et l'intelligence collective dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois une capacité de connaissance et aussi une capacité à faire du renseignement policier qui n'a rien à voir avec le renseignement de la CIA, par exemple. Si ce projet est aussi important, c'est parce qu'il n'y a rien sur le département, que tout ce qui nous arrive nous vient du Canada, c'est très fort, des États-Unis, du monde anglo-saxon, qui n'est pas le nôtre sur le plan culturel, qui n'a pas non plus la même forme criminogène, je dirais. Or, quand vous avez une telle différence entre la rapidité de réaction, par exemple, des institutions de poursuite, et la rapidité, l'agilité des criminels, qui en 48 heures ont été implantés parce que vous avez démonté le plan A, eh bien quelque part il faut vraiment qu'on mette toutes nos intelligences ensemble. Et on ne peut le faire de manière structurée que si on atteint un certain niveau de recherche-action. Et c'est le cas si vous êtes exemplaire là-dessus. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez obtenir que si vous êtes dedans. Toute autre recherche, y compris doctorale, fut-elle doctorale, à distance, qui n'a pas le doigt dans le concret, ne donnera rien. Et en revanche, lorsqu'on est praticien, il faut absolument s'affranchir de ce qui est son propre parcours, parce qu'il est forcément parcellaire, parce qu'il y a des trous dedans, parce que le voisin a peut-être ce qu'il vous manque. Donc c'est plus une mission, je dirais, que je suis en train d'essayer de vous vendre aujourd'hui, en toute honnêteté, qu'une nouvelle formation. C'est quelque chose dont ce continent a absolument impérieusement besoin. Oui. Un point que je n'avais pas encore évoqué, qui est la validation des acquis professionnels. Bon, c'est un système universitaire français qui peut être très intéressant parce que lorsque vous, professionnel, vous avez acquis une compétence, des compétences qui sont à un certain niveau, vous demandez pour obtenir ce master 2 dont on parle ou même un doctorat, de repasser les épreuves théoriques à l'université avec toutes les contraintes que cela représente en termes de disponibilité, d'implication et puis de manque aussi d'intérêt par rapport à certaines matières, il y a un hiatus. La certification la validation des acquis professionnels permet, dans le cadre d'une demande qui est présentée et qui est l'intitulé personnel, donc pour chaque individu ce sera différent, d'obtenir l'équivalence d'un master 1, donc tu parlais d'un master 2, voire maintenant même d'un doctorat. Dans la presse, on en a parlé encore hier, les doctorats sur validation d'acquis professionnels, c'est possible, c'est exceptionnel, mais c'est possible. Alors, à ce niveau-là, il y a peut-être une réflexion à mener, si la spécialité en master 2 est ouverte, de vous permettre de valider cette année de master 2 sans ces contraintes, parce que venir... Tu me rappelais l'exemple du partenariat avec la gendarmerie. Le système était parfait parce que les déplacements étaient pris en charge par la gendarmerie, les personnes aussi. Si on vous demande à vous maintenant de venir de toute l'Europe, même une fois tous les deux mois, suivre 3-4 jours de formation à Strasbourg, si votre institution prend en charge ça va, si c'est sur vos fonds personnels, je pense que ça va être lourd à gérer. Ça suppose des financements européens. Oui. Mais pour avoir un financement européen, l'idéal, c'est d'avoir déjà mis en place un mécanisme qui fonctionne. Les Erasmus Mundus, c'est ça, quand on en a monté un, c'est parce qu'on avait déjà un partenariat avec Bilbao, et on a pu démontrer que nous avions mis en place un diplôme qui serait encore meilleur s'il était labellisé Erasmus Mundus, et on l'a eu, sinon on ne l'aurait pas eu. Donc, mettre en place déjà un mécanisme qui est ce qu'on appelle vulgairement du bricolage par rapport aux moyens dont nous disposons, et ensuite, vraiment, passer à l'échelle supérieure et le professionnaliser. Mais la VAP peut être une piste très intéressante pour vous. Merci beaucoup. Je voudrais juste revenir également sur une deuxième mission, en fait, de cette filière de formation sur laquelle nous sommes en train de discuter aujourd'hui. Si nous avons des praticiens qui ont reçu la même formation de base,
Cela veut dire que nous pouvons envisager au niveau des institutions d'accueil des échanges qui sont intensément formateurs, où vous prenez un investigateur financier espagnol, vous lui ouvrez un créneau de 6 mois parce que vous avez une possibilité de le faire. D'accord ? Et à partir du moment où on a la même formation de base, on parle des mêmes choses, la seule chose qui puisse arriver, c'est qu'on se forme au terreau criminogène du pays d'accueil. C'est un complément qui n'a pas pris parce que vous ne pouvez pas le trouver dans les livres. Donc, d'abord, ça n'existe pas, et ensuite, quand de temps à autre on a des rapports, ils sont complètement caviardés parce que certaines choses ne peuvent pas être dites. Donc c'est forcément entre vous, praticiens, que vous pouvez apprendre davantage en partant en compagnonnage, un petit peu comme on faisait le Tour de France des compagnons. Et bien là, vous pouvez le faire à la seule condition, évidemment, d'avoir le même niveau. Et c'est pour ça que c'est important de mettre cette base en place. Juste un tout petit point, parce que j'aimerais bien entendre ensuite l'expérience de l'Esther. Une petite observation encore. Il y a une structure qui pourrait être intéressante, c'est la création d'une chaire. Vous avez évoqué le cas de Lausanne, qui a des postes de professeurs ouverts à des professionnels, c'est parfait. Dans la conjoncture actuelle en France, ça ne fait pas partie des priorités du ministère de l'enseignement de multiplier les postes d'universitaires, malheureusement. En revanche, il est possible de mettre en place des chaires qui sont cofinancées par l'université, par des fonds européens et également par diverses institutions ou diverses entreprises intéressées par votre travail. Et quand vous avez une chaire, vous avez une enveloppe. Vous pouvez adosser à cette chaire un professionnel. Je ne pense pas que ce soit le montage idéal pour vous. Mais vous pouvez aussi, sur cette chaire, faire venir, par exemple, sur l'année, si vous avez un budget alors annuel, et vous pouvez faire venir sur cette chaire, par exemple, 10 professionnels qui viendront chacun 4-5 jours, sera pris en charge le déplacement, l'hébergement, la rémunération des heures de cours. Et ils pourront, dans leur CV, indiquer qu'ils sont titulaires de cette chaire d'investigation financière de l'Université de Strasbourg. Ce qui peut être extrêmement stimulant pour ces professionnels et qui permet d'assurer ce transfert de savoir. Et à ce moment-là, il faut mettre en place un cahier des charges pour être affilié à cette chaire. Et dans ce cahier des charges, il peut y avoir notamment un travail de recherche à mener, une validation d'études professionnelles ou un mémoire à déposer qui serait le fruit. Qu'apportez-vous en tant que professionnel dans cette chaire ? En termes de compétences, eh bien, vous avez développé un outil de travail sur tel mécanisme, tel point technique que vous allez enseigner sur 2-3 jours à des étudiants en termes de formation, qui peuvent être des formations de type, M2 ou D1. Et il y a un nombre important de mécanismes que l'on peut juxtaposer pour arriver à une finalité. Donc, au niveau de la démarche, ce que je conseillerais, c'est de recenser les souhaits. En face, on met tous les moyens, tous les outils, c'est une boîte à outils, tous les outils qui peuvent être utilisés et faire une symbiose de cela, un amalgame de cela pour obtenir le moins mauvais montage possible. Il est évident que sur cette matière, vous avez l'exemple type des nouvelles implications de l'université. Ce n'est plus un milieu fermé uniquement sur le savoir, c'est l'ouverture de l'université vers le monde professionnel. Et ça, le président de l'université, à la Vérette, le dit à chaque réunion du conseil d'administration, cela devient une priorité. Certains ne l'ont pas encore compris. Et donc il faut aller de l'avant. Et sur les investigations financières, l'expérience du CEFAC et tout le travail qui a été mené est absolument exemplaire au niveau européen. Donc il faut profiter de cette marque, c'est une véritable marque maintenant, et de ce savoir-faire, c'est important. Alors, dans le profil de votre remarque de tout à l'heure, je voudrais donc vous présenter Lisa Smith, qui est professeure à l'Université de Leicester, et où elle anime un programme qui s'appelle Intrépide, dans lequel une dizaine de doctorants venus de disciplines tout à fait différentes les unes des autres, travaillent en synergie, en cours mentorat,
de discipline de foi. Elle va vous expliquer. Le but, c'est de dégager les futurs outils policiers du XXIe siècle. Donc, qu'est-ce que les outils policiers du XXIe siècle vont avoir comme finalité, comme forme, comme objectif, comme fonctionnement? Comment ça va se passer? Alors, je vais lui passer la parole et vous allez voir que l'expérience est enrichissante. Get your headphones on because we're switching to English now. And now my sound weird because I'm hearing myself. So first of all, I'd like to say thank you for inviting me to participate in your roundtable discussion and for recognizing the success we've had at Leicester with the Intrepid Forensics. I have a few little postcards if anybody wants more information after. But basically, it's a European-funded project, so about €3 million with European Commission funding, which allowed us to start an innovative doctoral training program, which is kind of along the lines of what CFAC is hoping to do. And one thing I would like to say is to commend CFAC for their approach to engaging practitioners, because this is the same approach we took with Intrepid, and I'll give some reasons why I think that's very important in a minute. So, Intrepid Forensics has right now 10 PhD students who are quite innovative. At the University of Leicester, we didn't have very much multidisciplinary PhD supervision. So if you were a PhD student in chemistry, you had supervisors who were both in chemistry and you did just chemistry. So the unique thing about Intrepid was to take this approach that any questions in the forensic world, so anything to do with crime investigation and how science is applied to the law, requires a multidisciplinary approach, because it is a multidisciplinary field. It's science and the law coming together to try and solve important questions. And we took the view that you cannot answer those questions with a single discipline. It must be collaborative. And the other view we took was that we didn't want to ask the wrong questions in the research that we planned, so this is why we engaged practitioners in the design of the whole project. So we asked forensic industry and government and policymakers, what is the future of forensic science? What should the next generation of PhD students be looking into? And they fed back their suggestions, and that formed the basis of the project. So it was a very unique approach. The university liked the idea in principle, but in practice it has been challenging. So we have 10 or 11 departments who are involved across the university. The University of Leicester has 4 colleges. They're all involved in this project, so across all colleges, all departments. And this has made it, I think, very beneficial because the students are learning with each other about disciplines they were not familiar with before. And it's enriching the quality, I think, of the research project. But universities are not structured really to work this way. It's difficult to cross silos and to cross disciplines. And so we have struggled a bit with the administration and the logistics of the project. But I think the challenges are worth having for the benefits to the research, I think. I do agree with what was said before about whether or not a PhD is always the right answer. And I think that it really depends on the practitioners. I think some practitioners don't need a PhD. I mean, you have to ask yourself, why am I doing a PhD? I think the value of a PhD and MSCs, to some extent, is to teach systematic research training. So I think that practitioners, so I come from Canada originally, and I worked for the police there before I moved to the UK, and the tradition in the police is to train each other. So you hear older police officers tell you how to do things, and this does not progress the discipline. It just keeps the same behaviors over and over, and some are good, and some could be improved, yeah? So I think that the value of PhDs and research degrees is to push the boundaries a bit and do systematic research and find out what is out there and what is the leading ideas in the field. So I think some practitioners engaging in PhDs is a good thing, particularly if the goal is for them to then share that knowledge with the wider field. So I think some, I don't think it's the answer for everybody, but I think some would benefit from PhD level training. And I think that at Leicester what we've done is had to be very flexible in order to engage practitioners with academia. So for instance, we have professional doctorates in the UK where you can
You can get a PhD partially through your professional experience, so it's almost like a portfolio approach to a PhD. So that's a good way to allow practitioners to get the PhD if they're happy to take them out of their workplace for a long period of time. The other thing we do quite a lot is distance learning NSCs for practitioners. Again, you said practitioners can't necessarily come to the university for long periods of time, funding is an issue, etc. So we have quite a few distance learning postgraduate degrees which are designed for practitioners. So you're out in the field, you're doing the work, but you can in your own time also engage with an MSc online and do a dissertation that's work-based, etc. So I think we have to be, as academics, we have to be quite agile and quite reactive and to what practitioners need. So again, CFAC engaging with practitioners all the way through is so crucial because it's the only way the university knows what practitioners need. I think that the other key reason to engage with practitioners and universities together is that the only way everybody in the criminal justice system understands each other's roles is through coming together at courses like this or PhD study or MSc, whatever, to understand how, you know, in the role that you're in, what you do affects the next stage, whether it's the prosecution stage or whether it's the investigative stage. So this was another thing that motivated Intrepid Forensics, was to engage with lawyers and policymakers and to make sure that the research we're doing will get out to the right audience. Because as academics, we write papers and nobody reads them except other academics. And so you need to have mechanisms for knowledge exchange. And I think that that's something you should build into your future plans. And the last thing I was going to say is just that I think for accessing funding, particularly the European Commission funding, multidisciplinarity is key, and engagement with partners that are not in academia, so practitioners, government, etc. I'm sure that's why we were successful with Intrepid. So I think, again, another good reason to think about these ideas is to access European funding. So I'll leave it at that for now. Well, many, many thanks, Lisa. You just earned my thing. I think I love that you said. Just to be frank. Now I follow up in French, if you mind. Bon, je crois que Lisa nous a dit énormément de choses qui sont très, très subtiles et très précieuses en fait le débat. Effectivement, la tendance, c'est quand même ça, c'est-à-dire la pluridisciplinarité, on ne peut plus continuer à avoir des experts dont le seul but est de consolider leur expertise. Il faut, à un moment donné, qu'il y ait des échanges pour qu'il y ait vraiment un dialogue entre sachants. Et un expert n'est pas un sachant forcément, un sachant peut être un expert, en revanche. C'est un peu l'ambiguïté de l'échange de connaissances comme celle-là et de la structuration, parce que la tendance naturelle humaine est malgré tout de conserver pour soi et pas devant soi, alors qu'au contraire, il faut s'ouvrir. Je voudrais aborder une toute petite question encore qui était quelque part noyée dans les documents que je vous ai donnés, en partant d'une bonne pratique des Gallois, de nos amis Gallois, qui ont monté un mécanisme de certification, ce qui permet donc d'avoir dans les filières professionnelles des praticiens un titre inspecteur investigateur financier. Ce qui permet aussi de maintenir, je dirais, les niveaux, puisque la certification n'est conservée qu'à condition d'avoir passé régulièrement une obligation de formation de quelques jours, comme disent les avocats, comme les juges, comme les procureurs. Et ceci est intéressant parce que ça oblige là aussi à structurer et à cadrer les niveaux des connaissances qui sont transmises. Donc, dans le cadre du débat de ce matin, c'est aussi une des questions que je vous soumets, en fait. Quelle certification pour qui et surtout quelle trajectoire de carrière après? Et là, comment est-ce qu'on fait venir dans le débat les directeurs des ressources humaines de services tout à fait différents, qui ont des procédures tout à fait différentes, avec des concours d'entrée, d'accueil en tout cas, qui sont spécifiques? Comment est-ce qu'on fait pour poursuivre son avancée, c'est-à-dire
faire une filière complète qui permette à tout le monde de parler de la même chose, et ensuite avoir une filière professionnelle qui soit identifiable, reconnue et brandée, marquée. Ça me vient. C'est une excellente question, la certification. Je vous parlais brièvement d'une expérience malheureuse que nous avons montée, malheureuse jusqu'à présent, que nous avons montée à Strasbourg. Lorsque les étudiants se destinent au monde financier et prestataires de services financiers, ils doivent avoir une certification qui est reconnue par l'autorité des marchés financiers. Cette certification a été mise en place il y a 7 ans à la demande de l'AMF qui ne certifie pas les compétences des candidats, mais qui habilite des institutions, des établissements à faire passer des examens de certification. Lorsque nous avons vu cela, nous étions un peu agacés par le constat que les organismes certificateurs étaient tous des organismes privés, je ne vais pas les citer, ce sont des établissements privés, adossés aux banques notamment, qui vendent aux professionnels et aux étudiants la certification. Et qui ne vendent pas simplement le passage de l'examen de certification, mais surtout le travail en amont. Si vous voulez réussir votre examen, achetez le pack de formation. Et si vous voulez encore multiplier vos chances de réussite, prenez un pack sur 6 mois. Et ça vous coûtera 3000 euros pour passer un examen qui va vous coûter au minimum 300-400 euros. Nous en avons parlé en interne ici et nous avons considéré que c'était une voie très dangereuse au regard du rôle de l'université car ces certifications sont faites hors monde universitaire. Nous formons les étudiants, ils ont un diplôme, mais on leur dit, pour travailler dans une banque, le Master 2 n'a aucune importance, ce qu'il nous faut, c'est la certification MF que vous aurez acquise en suivant la formation que vous aurez payée, que vous ayez un BTS, que vous ayez un Master 2, un doctorat, qu'importe, c'est la certification qui compte. Donc nous avons décidé de demander à l'AMF d'être reconnu comme établissement certificateur, et nous l'avons été. Donc nous avons eu le label AMF, vous pouvez faire passer les examens de certification. C'est là que ça c'est un peu compliqué, parce que pour être certifié, il faut préparer, Frontal avait été impliqué dans ce projet, il faut déposer une base de 700 questions. Et ensuite, par des techniques informatiques aléatoires, les candidats vont subir 70 questions tirées au sort sur cette échelle. Donc il a fallu préparer 700 questions. Donc, je demandais au sein de l'université qu'on nous développe des fonds pour payer des universitaires ou des professionnels nous aider à mettre en place cela. On m'a dit non, il n'y a pas de crédit. Oui, faire payer ensuite les formations, là nous sommes preneurs, mais on ne développe pas de fonds. Donc nous avons bricolé à nouveau avec des collègues et nous avons monté un questionnaire de 700 questions avec deux autres collègues, en plus quelques autres activités que nous avons, et ça a pris plus de temps que prévu. L'AMF a demandé à voir ce panier de 700 questions et a considéré que nous ne répondions pas au cahier des charges parce qu'il n'y avait pas le pourcentage de questions sur tel thème, etc. Il fallait trop le prendre. Et là, les collègues ont dit non, on arrête, on ne peut pas travailler sur de telles bases, alors qu'en parallèle, vous avez des établissements privés qui, le CFPB par exemple, se targue d'avoir fait passer la certification à 10 000 candidats, ce qui est énorme. Donc il y a un marché, le monde universitaire est sorti de ce marché. Alors, j'ai demandé que l'on reprenne ce dossier et que l'on, je vais terminer très rapidement, et que l'on redépose un nouveau panier de questions, mais qu'on nous dégage un financement pour que ce soit fait sur des bases professionnelles. C'est encore en discussion actuellement, nous n'avons pas trouvé la solution. Mais c'est là que je vous rebondis, parce que tout échec est une expérience pour la suite. Lorsque j'en ai parlé après au vice-président chargé des relations avec le monde de l'entreprise, je me dis, mais c'est simple, nous avons des IDEX à l'université qui sont des supports de financement intéressants. La certification, c'est une nouvelle voie dans laquelle l'université devra s'engager, parce que cette certification AMF, qui finalement est une bonne chose, vous allez la retrouver dans quelques années pour
les médecins, pour les ingénieurs, pour toutes les disciplines. On vous demandera pour les professions du droit aussi, on vous demandera d'avoir non seulement un diplôme, mais aussi une certification délivrée par des établissements agréés. Et cela met les universités maintenant au pied du mur, c'est que si elles ne se lancent pas dans un accompagnement de ces certifications, vous aurez des établissements privés qui vont faire de la formation parallèle et qui vont vendre ces formations. Le CFPB vient de mettre en ligne un accompagnement pour la présentation du certificat de compétences AMF. C'est exactement le projet que nous voulions monter, nous n'avons pas eu les crédits, eux les ont eu. Donc maintenant, avec l'IDEX, nous pouvons tenter à nouveau notre chance sur une base un peu plus sérieuse. Alors ce que vous pourriez envisager, c'est de lancer cette certification qui serait une innovation, parce qu'il n'y en a pas au niveau ni français ni européen, et de lancer une certification CFAQ. C'est-à-dire que je reviens toujours aux mêmes exemples sur la finance islamique. Il y a une multiplication maintenant d'établissements privés qui veulent certifier des compétences dans ce domaine, qui sont moins sérieux les uns que les autres, et qui vous vendent des certifications qui ne vous offrent aucune perspective professionnelle, parce que c'est du business, c'est malheureux à dire. Ils vendent des formations sans se préoccuper de la suite. Ce n'est pas le rôle de l'université. Donc il serait possible. Le label universitaire est un label qui est quand même reconnu. Et quand l'AMF nous avait dit « Nous sommes heureux qu'enfin l'université vienne nous voir en demande d'être certifiée, faites-le le plus rapidement possible, c'est une très bonne chose. » Cela nous avait un peu dynamisé. Donc le CFA pourrait réfléchir à mettre en place cette certification en s'inspirant de ce qui se fait dans un certain nombre de domaines, en demandant à l'IDEX de l'université, puisque notre IDEX a été renouvelé, donc nous avons des crédits à ce niveau-là, cela ne poserait pas de problème, et d'envisager cette certification au niveau européen et pas simplement national. Et ensuite, une fois que cette certification par un établissement universitaire a été mise en place, les institutions européennes pourraient peut-être valider cette certification, lancer déjà le processus même de certification, et après faire un appel à candidature pour les organismes qui voudront être certifiés pour délivrer ce constat de connaissance, et le CFAQ serait pionnier. Je pense que la piste de la certification est très intéressante. Et ce que nous avions essayé de mettre en place aussi, c'est encore un chantier ouvert, c'est de préparer les professionnels à cette certification par des enseignements en ligne, par des supports de cours, etc. Et lorsque le professionnel ou le candidat a suivi cette formation, a validé la certification, qu'on lui délivre non seulement cette certification reconnue, mais que cela lui permette aussi d'obtenir le DUU, voire un M2, par capitalisation de crédit, par capitalisation de compétences, en jouant sur plusieurs tableaux. La certification pourrait se rajouter au DU, pourrait se rajouter au M2, elle pourrait être faite au niveau européen, international, avec un cahier de charges à monter. Et dans la mise en place de ce cahier de charges de certification, les expériences de chacun d'entre vous sont absolument fondamentales. C'est une piste. Et derrière, nous pouvons trouver des financements à l'université, qui sera, en présentant bien le dossier, ça aboutira, parce que c'est une avancée qui sera incontournable dans toutes les autres disciplines, la physique, la chimie, la médecine, etc. Donc nous avons une avance. Et comme en plus nous sommes juristes, nous savons comment mettre en place des cahiers des charges et des dossiers types. Voilà, c'est tout à fait encourageant, je vous remercie. Ce serait effectivement une grande avancée de pouvoir matérialiser et labelliser tout ce fonds de connaissances que vous avez, une fois structuré, une fois transmis. Alors, jusqu'à présent, nous avons parlé beaucoup de techniques d'investigation financière. Quel était le but, quel était l'objectif, quel était le champ d'application de l'investigation financière, quelles étaient les possibilités pour l'Université de Strasbourg de nous accompagner dans
l'enrichissement de la filière de formation. Mais évidemment, la technique sans réflexion et sans analyse, ça ne marche pas. Et l'analyse sans la technique de base sur laquelle théoriser, comprendre, appréhender, ça ne marche pas non plus. Donc l'autre morceau, l'autre face de la médaille, eh bien, c'est l'analyse criminelle. D'accord ? Donc en fait, le même débat que nous venons d'avoir là, nous pouvons l'avoir sur le plan de l'enseignement de l'analyse criminelle qui doit aller de pair avec l'investigation financière. Donc on est allé progressivement, je dirais, depuis une proposition technique, d'accord, en élargissant le champ, en montrant quels sont les enjeux, et là, en élargissant encore plus, parce que c'est par l'analyse financière criminelle et les investigations financières qu'on va comprendre plus finement et plus rapidement ce qui se passe sur le terreau criminogène. Ce qui veut dire qu'on a peut-être même une chance de prendre de l'avance. Mais ça suppose effectivement de, encore une fois, de former, de structurer, de transposer, d'être curieux. Le tout, évidemment, ça ne peut pas se faire de manière comme ça ad hoc. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a vu lorsqu'on a fait l'état des lieux, que ce soit par Laurent Manet ou moi-même, en fait, on s'est rendu compte que on est face à une multiplicité d'acteurs, de facteurs et de vecteurs. Ce qui veut dire déjà, en trois dimensions, ça bouge partout. On est aussi face à des territoires qui ne sont pas raccords, excusez-moi l'expression, mais qui ne se touchent pas tout à fait, et aux interfaces, il se passe des choses. Le territoire juridictionnel, ça ne colle pas forcément toujours avec le territoire criminogène. C'est-à-dire que le même criminel que vous avez arrêté un moment sur votre territoire national, et peut-être qu'à côté, il est encore pire, et vous ne l'avez pas vu, et vous ne pouvez rien faire, du moins pas immédiatement. C'est ce genre de choses-là qui fait qu'à un moment, on s'est dit, qu'est-ce qui manque ? Il manque une criminologie comparative, non pas comparée. Je fais bien la distinction, comparative. C'est-à-dire dans l'acte de comparer et non pas dans la finalité qui consiste à tirer des conclusions. Non, non, non. C'est, on remet en permanence ce qu'on sait, on le complète, on formule des hypothèses, on se demande si le petit voleur de métaux ici n'est pas sans doute le chef d'une grande bande qui est ailleurs, etc. C'est ce genre de choses-là, ce genre de questionnement-là. Ça, c'est l'analyse. Et sans cette analyse-là, évidemment, les investigations financières n'iront pas très loin. Donc, nous avons deux missions. Une première mission qui consiste à apporter la preuve du crime, et une deuxième mission qui consiste à contribuer à la manifestation de la vérité. Et cela va bien plus loin. Bien plus loin. Donc, je pense qu'on peut annoncer la table ronde suivante après avoir bouclé. Oui. Oui, je voudrais justement rebondir là-dessus. Lisa est professeure de criminologie. Nous avons, nous, à l'université, un vrai questionnement par rapport à la criminologie. Donc, il y a eu une tentative de création d'une section dédiée à la criminologie qui a avorté. Alors, évidemment, le personnage en question, on peut comprendre, mais. Qu'est-ce que ça a changé, Michel, aujourd'hui, à l'université ? Est-ce que des étudiants qui font des thèses de criminologie peuvent espérer accéder ? Voilà, moi j'ai le sentiment qu'on a empêché la création sans avoir donné ce droit de cité à la criminologie. À l'université, hein, donc, et alors parler de criminologie comparée, c'est encore l'état d'impact. On en est vraiment très très loin, mais bien que tu nous fasses un. Voilà, un retour si tu en as par rapport à l'enseignement de la criminologie à l'université française. C'est une question piège. Certains débats, parce qu'il y a des implications politiques en plus au niveau national, et quand la section a été créée au CNU, cela s'est fait sans très grande transparence, et bon, on ne va pas revenir sur ce point-là. Donc, si j'avais un conseil à donner, c'est qu'il vaut mieux éviter de prendre le problème de front et de le contourner. Parce que sinon, on va se heurter immédiatement à des chapelles, les pénalistes contre les criminologues qui ne sont pas
pas pénalistes, nous ne sommes pas juristes. La criminologie, c'est le moyen d'introduire des personnes qui viennent de la sociologie ou d'autres milieux et qui ne sont pas juristes. C'est le monde académique et universitaire dans toute son horreur qui apparaît. Sauf que la criminologie aujourd'hui, elle se fait ailleurs que dans le Val de France. Vous n'avez pas ce problème au Royaume-Uni. Comment ça fonctionne? In different universities across the UK, criminology is different everywhere. So in some universities it is based in a law faculty, some in sociology. So Leicester's unique in that sense. We're the only university in the UK that has a standalone criminology department that teaches undergraduates as well as postgraduates. So Cambridge has an institute of criminology, but they only teach postgraduate level. I think that it's a unique selling point for our department to be in that situation. And I think it's a good thing, some disagree. And what I tell prospective students at Open Days is, look, if you want a multidisciplinary criminology degree, you need to come here. If you want a criminology degree that is very sociological, then you need to look for one that's in a sociology department. So I think that depending where criminology sits in the university structure really influences how it's taught and what students get from it. And I think there's good and bad, you know, wherever it sits, basically. And if you can have a standalone, I think that's the ideal, because you'll attract academics from all different disciplines to work together instead of making it very sociological or very legal. Making it very focused. And I think students benefit from that. I think that is why students come to Leicester, is because it's so multidisciplinary. But again, there are challenges to that structure as well. And there's constant discussion at Leicester about whether we should be merged with law or with, you know. And so far, we still stand alone, but it's not like that at every university. Une précision. C'est qu'à Strasbourg, dans les années 1960-1965, nous avions le premier institut de criminologie en France, qui était dirigé par le professeur Léoté, qui était une sommité, et ça ne posait pas de problème. C'est ensuite, après les 1968, que des choses se sont gâtées, et c'est malheureux. Mais je crois qu'il y a suffisamment d'axes de travail pour le CEFAC, et qu'il vaut mieux essayer de... Oui, donc pour contourner cet obstacle, il ne faut pas en rajouter. Il est toujours possible de faire les choses sans les nommer. C'est-à-dire que si les travaux de recherche portaient, par exemple, transversalement sur la présence des bikers au niveau continental, qu'est-ce qu'on y peut? C'est une tendance, c'est une pente naturelle. On voit aujourd'hui les experts... supra-gouvernementaux, faire des rapports avec des questionnaires, d'accord, dispensés à 42 personnes, dont 38 ont répondu, et vendre ça comme étant l'image de ce dont on a besoin en investigation financière. Enfin, l'échantillon, c'est ridicule. Et c'est ce genre de choses-là, aujourd'hui, qui montent. Et c'est pour ça que nous avons absolument, fondamentalement besoin d'une démarche scientifique. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors, toutes les excuses, j'ai annoncé un tout petit peu rapidement la fin de la table ronde, alors qu'il y avait plein de choses intéressantes encore à dire. Question dans la salle. Moi, je suis un ancien avec cursus de la faculté de Strasbourg. Je suis commissaire au compte, je participe à certaines enquêtes. Dans votre population d'élèves, vous avez une partie de fonctionnaires qui concerne la répression, la justice, etc. Et vous avez un pan qui sont des privés. C'est-à-dire commissaires aux comptes, etc., qui n'ont pas de pouvoir d'investigation. Donc ils sont nommés par des. Pour être expert, il faut disons, être nommé par un tribunal, etc. Actuellement en France, la milice financière criminelle n'est pas reconnue comme une matière expertise. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas vous faire nommer par rapport à ça. Vous êtes un simple comptable, etc. Si on arrive à faire évoluer cette méthode et pour qu'au niveau européen, cette matière apparaisse au niveau expertise, peut-être que là, on arriverait à faire évoluer le problème. Alors,
Je rebondis sur votre question. Les commissaires aux comptes seraient-ils intéressés par une certification de certains d'entre eux dans ce domaine? Je pense que oui. Les avocats peuvent être certifiés en droit immobilier, en droit de la famille, etc. Est-ce que pour les commissaires aux comptes, ce pourrait être... Excusez-moi. Est-ce que pour les commissaires aux comptes, cela pourrait être un ajout de compétences, sachant que il serait intéressant de voir avec la commission de formation des commissaires aux comptes au niveau national s'ils seraient prêts à déléguer cette attribution de compétences à une institution telle que le CEFAC. À partir du moment où la faculté de Strasbourg émet un diplôme, il faudrait que ce diplôme puisse être reconnu au niveau des matières expertables. Ou alors je ne vois pas l'intérêt d'avoir ce diplôme si c'est pour le laisser dans un tiroir. Le problème, il est un peu là. Moi, j'ai été confronté pendant 10 ans, j'ai demandé à être expert judiciaire comme analyste financier criminel. Ça m'a toujours été refusé parce qu'on n'avait pas besoin de mes services. Mais par contre, je suis nommé directement par des juges d'instruction sur des affaires où je mets en place, je suis analyste financier criminel. Mais ce n'est pas reconnu au niveau national. D'accord. Ça, c'est un témoignage tout à fait intéressant qui nous amène en fait à encore élargir le débat au sens où votre expertise serait tout à fait utile parce que la résiliation financière, c'est aussi du patrimonial, mais ça n'est pas que ça. Donc, c'est effectivement tout à fait intéressant d'avoir un gisement, en fait, des différentes matières qui sont reconnus comme une expertise, pour que l'ensemble qui soit diplômant soit lui-même reconnu comme un champ. C'est-à-dire que si le tout, la somme du tout, en fait, la somme des parties fait forcément un tout qui est une expertise. Si chacune d'entre elles est une expertise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça pourrait être intéressant comme moyen de contournement justement pour poser la résiliation financière. Qu'est-ce que ça veut dire? On that same topic, I think that to ensure the quality of evidence as well in the court or wherever you're testifying, a qualification particularly endorsed by a university and in other forensic disciplines, that is the standard. You can't testify to evidence if you're not a properly trained forensic chemist or whatever. And I don't see why financial analysts would be any different. I think we need to maintain the level of quality of evidence in the area. Deuxième réflexion. D'abord, je suis très étonné par rapport à la discussion sur la criminologie. On a beaucoup parlé de transversalité, de transdisciplinarité. C'est bien une science qui est transversale et transdisciplinaire, c'est la criminologie, qui intègre quand même toutes les facettes importantes de l'enquête, qui associe d'ailleurs les magistrats, les futurs policiers, les analystes. Chez nous, en Belgique, la criminologie est adossée à la faculté de droit. Moi-même, je suis licencié en criminologie, je suis fier de l'être, parce que c'est une ouverture d'esprit qui s'attache justement à des connaissances de base qui sont nécessaires pour tous. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, la maîtrise des raisonnements, des techniques, toutes choses, mais la maîtrise des connaissances, vous appelez ça des fondamentaux en France, est absolument essentielle, donc je m'étonne de ce débat. La criminologie, pour moi, est une filière en Belgique qui appelle de plus en plus d'intérêt parmi les jeunes étudiants et qui donne de véritables perspectives d'emploi dans les différentes organisations policières ou magistratures. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on avait parlé de l'expertise, qu'on est reconnaissant d'experts au niveau analyste. En Belgique, par exemple, les analystes humains ne sont pas reconnus comme experts, comme peuvent l'être les médecins légistes, etc. Mais ça ne pose absolument aucun souci, parce que devant les cours de justice, le résultat de notre travail est reconnu au quasiment au même titre que celui d'un expert. Donc, je ne vois pas très bien pourquoi perdre son temps à débattre sur donner une qualité d'expertise ou de certification aux analystes criminels. Non, ce qu'il faut faire, c'est sensibiliser nos autorités politiques, judiciaires et policières quant à la plus-value de cette technique qui, à la limite, devrait être utilisée par tous, aussi bien par les magistrats, par les enquêteurs et les analystes, de sorte que nous puissions parler le même langage, échanger de manière beaucoup plus facile. Les 3 jours de RFC au CFA, je pense, a pu le démontrer. Et donc voilà. Et pour moi, il n'est pas nécessaire que je sois reconnu comme un expert. Et je ne suis pas un expert. Voilà. Merci Simon. Merci.
Merci Marc, pardon. Alors, sur le débat de la reconnaissance d'expertise, effectivement, il y a, et ça se discute parfois, le problème de d'admissibilité de preuve et de recevabilité des dites. D'accord, ça, on sait pas d'abord énormément de temps en prétoire pour ne pas avoir à démontrer chaque fois le niveau de connaissance. Alors, c'est vrai que nos amis belges sont très souples de fonctionnement, et c'est quelque chose qui est remarquable, et ça vous honore. Mais tous les pays ne sont pas comme ça, et si on essaie effectivement de porter témoignage, je dirais, en tant qu'analyste financier criminel dans les pays qui sont un petit peu plus rigides, bien, votre témoignage n'est pas recevable, tout simplement, en tant que témoignage d'expert. Donc, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire, avoir, c'est une garantie pour tout le monde, d'abord une garantie de niveau, ensuite, à la fois pour ceux qui l'utilisent et pour ceux qui le proposent, d'accord, rien n'interdit ensuite, effectivement, d'accrocher son diplôme sur le mur et de l'oublier en même temps que le brevet sportif. Hein. mais ceci posé, je pense qu'on peut quand même relever la souplesse de fonctionnement de nos amis belges. C'est vrai, ça fonctionne bien. Ça fonctionne aussi par des experts. On avait Olivier Dublin, par exemple, qui a disparu maintenant, c'est pas oublié, mais qui a commencé le CEPAC avec nous, qui fonctionnait comme expert auprès des tribunaux, voilà, à Liège. Et ça, nous n'avons pas forcément d'une manière bien claire et bien nette chez nous. Donc, étant donné qu'on a autant de situations nationales pratiquement que d'États membres, bah, le plus simple, effectivement, c'est de faire une analyse complète et tout poser à plat. Et à partir de là, ensuite, bah, les pays fonctionnent comme ils l'ont, tout simplement. Autre question, peut-être? I have one other thing. I guess the other danger to this problem is what you were mentioning about private sector offerings for diplomas that are of varying quality. So another reason why perhaps the EFAC and the university should take the lead on this is to maintain a level of quality of certification so that, you know, private sector institutions that are just basically selling diplomas don't become the norm. Well, thank you, Lisa. C'est d'autant plus effectivement que ces organismes certificateurs privés nous viennent d'un autre pays, beaucoup plus puissant que le nôtre, dont les traditions économiques et financières ne sont pas les mêmes, qui reposent énormément sur les cartes plastiques et l'économie, alors que chez nous, le paysage est complètement contrasté, et donc les possibilités d'émerger aussi. Donc c'est vrai que, quelque part, il faut se poser un certain nombre de questions avant. Voilà. Puisque nous parlons de la certification, je pense que l'application d'une université dans une certification serait extrêmement porteuse, mais pourrait être associée à d'autres institutions dont on parlera peut-être après, par exemple Tracfin ou autre, au même titre que l'AMF. Donc, je pense que sur la certification, un partenariat ou une application avec Tracfin serait, à mon avis, bénéfique pour tout le monde. L'idée, c'est de... Je comprends vos réticences par rapport à cette procédure. Vous voyez tout de suite, vous visez plutôt à l'efficacité qu'à une accumulation. Malheureusement, dans l'évolution au niveau européen, en raison de même par certification et la certification devient prioritaire. Et ça permet d'éviter que vous ayez des personnes incompétentes qui prétendent être compétentes. Le meilleur moyen de le démontrer, c'est s'ils n'ont pas la certification. S'ils ont la certification, ça ne prouve pas qu'ils sont compétents, mais il y a une présomption de compétence. Alors, au vu de toute la richesse de cette table du monde, d'abord, toutes mes excuses, nous avons dépassé un tout petit peu le temps et Philippe-Marie n'est pas content. Ce qui est normal.